Depuis 2020, la pandémie Covid-19 et les confinements ont contraint les marques de mode à repenser leur communication. Dans l'impossibilité de défiler, elles ont produit des fashion films. Ce nouveau genre cinématographique est alors devenu une valeur sûre. Dernier événement en date a lui assuré notoriété et pérennité, le Lyon Fashion Film Festival, qui fête sa seconde édition. Ouvert aux écoles de mode, d'art, de cinéma, aux griffes, c'est le seul festival organisé et financé par une institution publique, l'Université Lyon 2. Et c'est du sérieux. Si vous êtes un créateur, il s'agit de transmettre l'ADN de la marque. Et l'ADN de la marque, il porte des valeurs. Partant de ce moment-là, vous êtes sur quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel, mais aussi de l'axiologique des valeurs, en fait. Et si vous êtes dans une démarche de film d'artiste ou d'étudiant, vous arrivez sur des façons de conscientiser la mode comme phénomène qui a des conséquences écologiques, qui est un phénomène économique total. Et donc là, on a des films qui sont assez critiques, en fait, envers l'industrie de la mode, sur les questions d'écologie, de sexisme, de rapport de pouvoir entre les groupes sociaux et les classes sociales. Et donc non, c'est tout sauf des films futiles en fait. C'est des films qui portent une réflexion. Il a fait ses armes à Paris, mais il est retourné à Lyon, la ville de son enfance. Rémi Perrier, gagnant du prix créateur 2022, est lyonnais. You take myself. On est construit comme toute personne par notre identité familiale, notre identité intime aujourd'hui. Et ça s'appelle Nycto, car nyctophile, qui veut dire les gens qui apprécier être dans la nuit, et moi c'est ça, parce que c'est mon enfance, c'est d'avoir été enfermé dans ma chambre, mais par mon bon vouloir, d'avoir pu découvrir ma sexualité, mon identité, comment je me sentais confortable, par le biais du vêtement, par le biais du déguisement, par le biais du travestissement parfois, parce que le vêtement est facteur d'identité et facteur de révélation chez certaines personnes, et dont le jury, et donc je suis ravi. Le fashion film est un genre médiatique hybride. Il s'inspire autant des codes du cinéma que ceux du clip musical ou du film de pub. Il fallait donc un jury composite pour départager les concurrents. On sent que cette jeune génération est très concernée par la politique, le climat, comment faire pour ne pas justement détruire la planète et le recyclage, et un questionnement, qu'est-ce que la mode, qu'est-ce qu'un vêtement, quel est le rapport de la mode avec ses propres interrogations. C'est assez incroyable de voir à quel point les étudiants se sont appropriés les nécessités actuellement que le monde de la mode va devoir aussi affronter, mais qui sont des jolis leviers de développement, parce qu'en définitive, c'est ce qu'il faut voir, c'est qu'on va vers un meilleur, et je trouve qu'ils vont incarner vraiment, ils ont une belle prise de parole, et je leur fais une vraie confiance, et je trouve qu'ils représentent vraiment tout ce panel de l'avenir de la mode. Souvent, quand on voit un film de mode où on est tous impressionnés, émerveillés, les belles tenues, etc., mais moi je trouve que quand il y a aussi de l'émotion, et qu'il y a ou un message derrière, où on voit quelque chose et on ressent des choses, et je pense notamment au film qui a reçu le prix des étudiants, qui vraiment, moi, m'a beaucoup émue. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Le thème de cette édition 2022, l'espace, les espaces. Le collectif 16h25 l'a abordé avec élégance, discrétion et courtoisie. Surtout un film où le thème de la mort était abordé. Et le thème de la mort est très difficile à aborder, en littérature, au cinéma. Et là, j'ai trouvé que c'était parfait. La jeune fille m'a dit, nous avions peur de ne pas être comprise. Eh bien, on a tout compris. En tout cas, je les trouve très sérieux. Le film programmé, c'est un film qui parle de deuil et qui parle des cycles du deuil. Et il y a un parallèle qui est fait, qui est à la fois esthétique et symbolique, entre les cycles courts de la fast fashion et le cycle long du deuil. Déjà, ça fait référence au programme de la machine à laver. Et ensuite, ça fait référence aussi à l'obsolescence programmée des vêtements, puisque finalement, la fast fashion, voilà, c'est des collections très rapides, une semaine, deux semaines, un mois. Donc tous les vêtements qu'on a, finalement, sont programmés pour être, entre guillemets, détruits, puisqu'ils ne seront plus à la mode dans quelques temps. Donc il y a une grosse référence aussi à ça. Et puis il y a aussi le fait que finalement, avec la fast fashion, on est tous programmés à suivre la mode et on perd un petit peu notre personnalité. Donc voilà, il y a une référence à tout ça, en fait. En fait, on voulait vraiment faire une grosse métaphore et aussi mettre une histoire qui permet à tous de se reconnaître dedans, avec par exemple l'histoire d'amour, parce que ça passe par plusieurs émotions, et on s'est dit que le spectateur, il pourra regarder ça et se reconnaître là-dedans, et du coup faire passer un message
en discrétion sur la fast fashion, le côté un peu manipulant. Et que chacun puisse avoir une prise de conscience et se dire finalement oui, moi aussi je suis là-dedans et peut-être que je m'en rends pas compte, mais avec ça, peut-être que ça va m'ouvrir les yeux et voilà. Rester vigilant, les yeux grands ouverts, ne pas bouder son plaisir, mais sans jamais en être dupe.